pleut. Et mais celui-là, il sert à rien. Non, il sert à rien du tout. Ils sont... Voilà. C'est celui-là, il marche. Oui, il marche, mais du coup, il faudrait que je conduise comme ça. C'est nous qu'on gagne. Ouais, c'est clair. Ah bon ? Petit joueur. Attends les phares. Petit joueur. C'est son chien qui est conduit maintenant. D'accord. Regarde, des petits brutaux bien chauds, du gros caca bien sucré qui te rentre dans les veines là et qui ressort jamais. Et la pizza du matin, mec. Comment on fait pour Jean Moussa en fait ? Ah ouais. Tu veux de la pizza, mec ? Bah ouais, mec. Le mec, un burrito, pas de la pizza quand même. Burrito plus pizza. Ah, ça s'arrête de tourner quand tout c'est ouf. Burrito plus pizza, j'ai rien à faire. Pourquoi tout est si bien pensé aux États-Unis ? Tout est tout pensé pour être bien. Attends, c'est celle-là que tu voulais ? Ah ouais, c'est vrai. Faut payer par contre. Oh, c'est vrai. Ok. C'est là-bas. Tu avais l'air perdu, que t'as-t-elle expliqué ? Oui, en fait, j'ai cherché les petits pains pour mettre les saucisses pour faire les hot dogs. Et ? Et en fait, il y a un petit code. C'est quoi ? En fait, tu fais un tour sur toi, non ? Tu souris. Et puis tu es. C'est génial. Putain, mais quel pays, mais ils ont tout compris. Incroyable. Et donc, tout le monde veut les copier. Vous avez tous des petits déj bien équilibrés. C'est vrai que j'ai oublié ça, moi je prends un astic comme un connard, tu vois. Tu dis bah vas-y on se casse. Mais dans le mouvement ou pas. Ouais, c'est dur de se réveiller quand tu dors depuis 8 heures. Ouais, enfin ça va. C'est moins dur que de pas se réveiller parce que t'as pas dormi. Il y en a qui n'ont pas dormi pendant. Ah ouais, il prend sa douche dans le coffre là. Et ça... D'accord, j'ai pas dit que c'était le plus dur. J'ai dit que c'était dur. Tu préfères. Ah mais il a nettoyé le caca de. Guillaume, il a enlevé la crotte de pigeon. Hein. Ah, c'était pas une crotte, ça. Oui, c'était, non, un c'était un pigeon. Le pigeon lui-même, ouais. Regarde-le, là, il va re-rentrer dans la voiture. Ah non, c'est... Ah si, ça y est. Alors ah. Ouais, les gars, on va se relayer, ça va être bien. Le mec, il a dormi toute la nuit. Ça va, vous êtes je me suis tapé toute la route. Ah ouais, ouais. Tu t'avais joué. Oh. Par contre, gros toi, parce que dans 2 minutes, on repart. Ah ouais, bon, je vais pisser vite fait, hein, j'ai pas faim.
Oh. Allez, go, go, go. En 4 heures, on est à... 4 heures. J'ai dit, on est à Vegas. Le mec a un complot, on a fait une boucle. Ah oui, d'accord, ouais, c'est... t'as vraiment pas dormi. Non, donc 4 heures, on est à Vegas. Donc 4 heures, on est à... Chicago. Chicago. 4 heures, go. Ouais. Putain. Voilà. Je suis tellement content de mon achat, je suis prêt pour aller au Québec. Le repos du guerrier. Ça va avoir combien 9 heures. J'entends qu'on a des problèmes de pneus, ce qui m'étonne pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Mais tu sais que j'ai pensé à ça cette nuit. Si tu lâches le volant, la caisse elle part à droite. Ouais, parce que donc t'es obligé de toujours tirer. Donc en fait, on est en train de bouffer ce côté-là du pneu. Ouais, ou juste qu'il n'y a pas eu de. Comme elle a du jeu, tu peux faire le para tant que tu veux. Ou juste qu'il n'y a peut-être pas de. Le mec a peut-être jamais fait de para parce qu'il roulait à 15 à l'heure pour transporter des gens. Tu peux y aller, tu le fais le para, le but quand même. Tu crois qu'on n'arrive pas à Miami hein? Si, à Miami. Après, Bev Goodrich, il m'avait proposé de me filer des pneus. Non, ce qu'on peut faire, c'est trouver quelqu'un qui nous prend le pneu et qui nous le retourne. Ouais. La rotation des pneus. Bah oui, ou alors on échange arrière-avant. Ça peut se faire aussi. Mais il va parce qu'à l'arrière, ils sont neufs de chez neuf. Non, non, le... oui, c'est une jante, la roue de secours, mais surtout le pneu qui est sur la roue de secours, c'est un truc qui a 50 ans. Quoi. Donc, non, mais là il va tenir encore jusqu'à Saint-Louis. Quoi. Ouais, il va pas tenir très longtemps, lui. Hein. Non. Bah, après, dis-toi, on a fait combien de bornes? 3000 déjà, non? Je sais pas. Non, allez, 2000, pour une casque toute sa life, elle a fait une demi-heure de, oui. Une demi-heure de route. En roulant à 50, en roulant à 20 miles, le mec a jamais fait ça de sa vie. Avec. Mais clairement, hier, je me disais, on tire beaucoup trop sur le volant et à un moment donné, il va tout se passer un truc. Tout en train de corriger. Ouais. Ça se trouve, on peut faire quand même un bout de para, quoi. Ça sera toujours mieux que rien. Les wheel alignment ici, ils savent faire. Ouais, mec, la rotule, ça va pas enlever énormément. Si t'as le bouge d'un centimètre. Mais sur une caisse de drift, pas là-dessus. Ça y est, on arrive à Chicago! Chicago! Au revoir, rien du tout! Chicago! Alors, il y en a beaucoup qui ont relevé le mec qui se fait taper les burnes à Las Vegas. Ah oui, oui, oui. Nuts. Kicking the nuts. Kicking the nuts! Bon, on pense que apparemment, à Chicago, faut pas trop faire les cons, les gens sont très armés et s'énervent vite. Ah ouais? Ouais, c'est ce qu'on me dit. Ils ont pas un seconde de réflexion. La shitbox, mon gars. Ah oui, là c'est pété ça. Hein. Alors, dans les commentaires, mettez une note de pétage de 1 à 10. Chicago, Chicago. C'est super chiant de filmer derrière. Ça fait longtemps que j'étais pas rendu ici. Hein. La dernière fois, si je dis pas de conneries, c'était 2010. Ah, c'était partout? Non, 2016. Je sais plus. C'était à longtemps. Bien sûr, j'étais du foot. Y'a pas de réseau. J'adore cette ville, c'est une de mes villes préférées au niveau de l'architecture. Ah mais on est dans le tunnel de Batman! On est dans le tunnel de Batman! Ah! C'est là que le Joker il shoot la Batmobile mec! C'est génial! C'est magnifique! On est dans le tunnel de Batman! Le métro, c'est vraiment Gotham City, mon gars. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Les gens, ils doivent se dire, mais c'est qui cet abruti? Ce qui est bien, c'est que les gens, ils disent, c'est qui, c'est con, puis après, ils voient qu'on est Asman, ils font, ah, c'est normal. Une petite musique de Batman, on est pas mal. Oh, je vous ai niqué, je crois. Oh, t'es un bâtard. Oh, shit. Salut! Les gens ils nous font coucou. C'est génial! Ah, on repasse sur le pont! Regardez comme c'est beau! My, c'est magnifique! J'adore cette ville! Tiens, on irait pas manger au Smith et Walensky là, le Steak and Shops qui est juste là? Nice! C'est nous les seigneurs! On
On arrive à monter là-dessus? Oh, elle grince de partout, elle va jamais tenir jusqu'à Miami et encore moins jusqu'à New York. C'est qu'un grincement ininterrompu cette bagnole. C'est incroyable. Oh là là, on a la maison du blues là. Avec de la love music. On pouvait pas rêver mieux. Et en vrai, je pensais que c'était bien l'hôtel, mais pas à ce point-là. Il y a un truc avec du bar music blues et tout juste en face. Oh, on va même pas avoir besoin d'aller loin. C'est génial. Mec, house music, ouais. Blues music. On va pouvoir se la mettre ce soir. C'est pas mal, hein, regarde ça. C'est pas mal. On est bien. Ah là, il va venir nous demander quand la valette. Ouais. Elle est pas mal cette petite chambre d'hôtel. En plus, on a une vue vraiment pas dégueu sur le downtown. Magnifique bâtiment. Enfin, surtout celui-là. Ce soir, je pense qu'on va aller manger là parce que c'est magnifique à l'intérieur. Regarde-moi cette limo bien dégueulasse, personne n'a jamais vu ça. Waouh! J'avais oublié que c'était aussi stylé en vrai. On avait filmé une vidéo avec Chris en 2016, mais elle n'est jamais sortie de mémoire. Donc, en fait, c'est la première fois que je vous montre ça sur YouTube. J'ai acheté l'Eclipse, c'était pas très loin d'ici, mais j'avais pas le temps du tout de faire du tourisme, donc je suis parti direct. Et depuis, pas de Chicago. En fait, j'ai plus beaucoup de place dans le téléphone parce qu'il y a plein de vidéos que j'ai pas encore sorties qui sont dedans et que je peux pas mettre ailleurs. Il faut quand même que je vous filme le plus possible parce que c'est méga stylé. Tu fermes ta gueule. Ah, petit marché de Noël! Ah mec, il y a des saucisses. Viens. Ah ouais, prends ce saucisse. Moi, j'en veux un petit chocolat. Oh, des pretzels. Mais genre, non, des je vais tout défoncer. Allez, salut copain. Cette rue est très belle. Oh, petit sapin de Noël. Ça fait plaisir. Là, on va voir le haricot chromé qui est un peu le symbole de Chicago. Même si en vrai, ça, la ville ne se résume pas à ça. Porteur. Joyeux merci donné! Le haricot! Un sacré haricot, hein! Ça, c'est du beau haricot! Quoi? Alors, on se voyait pas, mais en fait, on est. Il y avait un drone qui volait au-dessus il y a 3 minutes. Ah ouais? Voilà, tu sais quoi faire? Je pense au là, c'est très profond. Ça fait penser à la vie, le sens de la vie. On ne sait pas. Finalement, est-ce que c'était pas qu'un immense trou de balle? Ambiance de nuit, c'est quand même vachement plus joli. Bon, on va manger. T'as pas faim? T'as pas faim? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a pas becté là. Ouais, ouais, ça fait au moins une demi-heure. Attends, on est vraiment devenus des Américains, on va aller dîner à 17h. Ouais, t'as compris quoi? Oh le bâtard. Oh, j'ai pas fini. Allez, notre premier dîner à San Diego, à Chicago. Bah, le mec il est resté là-bas quoi, le plus horaire. Notre premier et dernier dîner à Chicago du voyage a priori. Sans tomber en panne ici. Can you bread and butter it all? Ah oui. C'est combien? Oh yep. Qu'est-ce que tu fais là? Des trucs qui en théorie en France sont illégaux, mais ici illégal. Voler en ville avec un drone genre normal. Ici c'est peinard, genre. Tu... Vas-y, vole. Oh, il va s'arrêter là. T'inquiète,
Là ce soir c'est soirée bonne image. Yeah. We are five French people. We buy this car in Las Vegas and we do we making Miami. Cross country in the car. You're a cross country. How many people? Five. Cheers. Thanks man. Take care. C'est clairement la Tour Wayne. Oui. Kiff là. C'est stylé.
la boutique, j'étais à genre peut-être un mètre.